Tout à l'heure, quand j'arrivais sur le plateau, je croisais des regards. En tout cas, je voyais de profil des familles. Je vois Jonas qui était ambassadeur il y a 3 ans de cela et qui, Jonas, nous disait « Je veux pouvoir porter mon enfant dans mes bras quand je serai papa. » Et puis, je vois Pierre et sa famille et Pierre qui est en trottinette de plus en plus souvent en disant « Parce que mes muscles me lâchent. » Et moi, ce soir, je dis, le Téléthon ne va pas les lâcher, on ne doit pas les lâcher. Vous avez été fidèles pendant toutes ces années, vous avez été à nos côtés. On a ces victoires parce que c'est grâce à vous. Et alors, pour Jonas, pour Pierre et pour tous ceux qui attendent, on a besoin plus que jamais de vous. Il y a urgence, urgence pour les familles, urgence pour les chercheurs. Maintenant, les chercheurs, vous savez ce qu'ils disent quand ils viennent dans mon bureau? Il y a encore 20 ans, ils venaient et me disaient, bon, on va chercher. On va chercher une voie, on va trouver une piste, il n'y a pas de souci. Là maintenant, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ils savent. Ils savent le chemin qu'ils doivent emprunter parce qu'il y a ces chemins qui ont été pris grâce aux premières victoires. C'est juste une question de moyens. Et quand ils me disent, mais si je fais ça, j'ai besoin de temps en termes d'argent, je me dis, oups, et un autre vient, et c'est la même chose. Et j'ai envie de pouvoir leur dire, oui, on pourra faire tous les projets que vous présentez pour lesquels le chemin est tracé. C'est grâce à vous qu'on pourra le faire.